bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez passer une journée entière avec moi. C'est parti! Déjà, je me présente, je m'appelle Corinne, je suis une sport-études et cette semaine, je monte chantilly. On est au total 4 sport-études. On est 4 sport-études, donc moi, Corinne. Ensuite, derrière, il y a Jeanne qui est sur le canapé, Gabin qui est en train de faire la lessive et juste là, il y a Luc qui est en train de prendre... je crois du lait, enfin je sais pas, mais voilà, il est au bar. Donc, Jeanne, elle monte les loups, Gabin Apache et Luc Toledo et moi Chantilly. Donc je suis contente. Aujourd'hui c'est cours de Hunter, je sais pas si vous connaissez le Hunter. Alors je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le Hunter pour ceux qui ne le savent pas. C'est une pratique équestre, c'est comme du CSO en fait, sauf qu'il y a des transitions obligatoires et des passages obligatoires, donc c'est à dire que par exemple on va devoir sauter un obstacle de biais, on va devoir aussi repasser au trot, on va devoir faire une sorte de petit slalom, de partir au galop, ensuite de repartir au trot, de passer entre deux plots, etc, etc. Bon, là je vous ai dit à peu près à quoi ça ressemble, mais nous on fait pas des concours, donc nous ça va être juste un petit hunter, donc c'est à dire quelques petits obstacles. Ensuite pour avoir un passage obligatoire, on va sauter le biais je crois, parce que j'ai entendu Pénélope parler à Christine de obstacles de biais, mais je sais pas si vous voulez parler des poulains ou pas, donc voilà, j'arrête de blablater, c'est parti. Coucou. Ah coucou Pénélope, on t'attendait, on a vu que tu montais, donc ah oui d'accord. Donc alors aujourd'hui Hunter, je sais pas si vous le saviez. Oui, on savait, d'accord. Donc, vous prenez vos chevaux habituels. Juste, Gabin avec Apache, il faut faire attention, les obstacles de biais, il n'aime pas trop. Bon, on n'est pas encore là. J'arrive dans 5 minutes, on fait juste sauter un peu les poulains. Et voilà. Ok, allez, salut, salut. Donc là, on se retrouve, j'ai pris Chantilly et on va pouvoir commencer à la brosser. Un petit pansage vite fait bien fait puisque je l'ai déjà pensé ce matin, parce que oui ce matin je suis allée la voir et ensuite on va la sceller et je vais lui mettre des petites guêtres. C'est parti. Donc là je viens de lui faire les pieds, je lui ai graissé un peu les sabots. Je lui fais les crins, bon bah voilà, tout se passe bien pour l'instant. Je vais commencer à la sceller et on se rejoint juste après. Je sais pas si ça s'est vu, mais derrière il y avait les poulains donc, qui sautaient. Et je pense qu'il n'y avait même pas 20 cm. Et ils sautaient comme si sautait 1 mètre vraiment. Donc voilà. À sceller et là je vais aller chercher des petites guêtres. C'est parti. J'allais chercher des guêtres et en fait il n'y avait plus de guêtres, donc j'ai pris celle à ma coach. Bon bien sûr je lui ai demandé et donc voilà j'ai pris celle à ma coach qui sont juste là. Voilà, je vais lui mettre et c'est parti. Et voilà, je lui ai mis ses guêtres. Non, c'est à moi de m'équiper. Tadam! Donc voilà, là j'ai mis ma bombe et j'avais mis en fait j'avais déjà tout mis. Il manquait juste ma cravache et ma bombe. Voilà. Donc voilà, on est tous prêts. Et j'espère que Pénélope est prête. Oui, normalement. Pénélope! Vous êtes tous prêts? Oui. Bon, ah ben, on va commencer. Je vais aller juste préparer les obstacles et voilà. Ok, à toutes, à toutes. Ben, je suis la dernière, ils m'attendent tous, donc on va se dépêcher. C'est parti. Excusez-moi pour le retard. Non, non, t'attendais. Merci. Va te mettre là-bas. D'accord. Donc là, je vais les laisser se détendre. On va dire tout seul, comme ça je vais pouvoir voir comment ils font. Et on va pas filmer parce que ce serait beaucoup trop long sinon. A tout à l'heure.
À tout à l'heure. Donc là, ils se sont détendus. Ils se sont détendus et on va pouvoir commencer à sauter. Donc là, vraiment, on est sur de petits. Et comme ça, ensuite, au fur et à mesure, on va monter. Donc d'abord, on fait juste quelques petits obstacles et ensuite, on fera un petit parcours de Hunter. Donc, on a installé une petite croix. On vous a toujours pas filmé la détente. Et donc, Corinne, tu vas commencer parce que t'es arrivée en retard. D'accord. Au 3 ? Oui, au 3, s'il te plaît. On commence avec des petits et ensuite, on finira par des grands. Et ensuite, un parcours. Très bien, en fait. Hein. D'accord. À toi, Jeanne. D'accord. Vous n'êtes pas obligé de partir hyper loin, vous pouvez couper, hein. Bien ça, oui. Tu l'as un peu poussé, mais c'était très bien. Bien. On va monter. Toujours avec une petite croix. Cette fois-ci, vous venez au galop. Ok. Allez, c'est parti, Corinne. Avance avec Chantilly. Elle a beaucoup d'équilibre, tu peux y aller vite. Mais sinon, c'était bien le saut. Mais tu aurais pu aller plus vite. Avache, c'est le contraire. Faut que tu ailles doucement avec lui au galop pour qu'il ait beaucoup d'équilibre. Ok. Lilou avance un peu. Doucement. Voilà. Très bien ça. Avec tous les deux, tu le fais avancer. Oui, pas mal du tout ça. Ok. Et bien maintenant, on va mettre un petit vertical. Là, vraiment un tout petit vertical. Vous venez sur celui-ci au galop. Allez, Chantilly, avance. Bien ça. Ok. Apache, doucement. Doucement, 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 doucement. Bien ça, c'est bien. Il a fait des progrès. Ok, avec Lilou. Bien, parfait. Tu vois, tu gardes un bon galop. Bon, allez, tous les deux, tu le bouges un peu. Hein. Parfait ça. Ok, ben on va mettre un plus grand. Mais je vais pas vous filmer. Je vais vous filmer que quand on commence à mettre le bidet, d'accord? Voilà, là j'ai un peu monté. Je vais vous laisser sur cette hauteur-là pour vous filmer ce passage. Et ensuite... je vous montrerai quand tu auras le bidet. Vous verrez, c'est vraiment différent. C'est parti. Et c'est parti. Corinne, toujours à toi. Ok. Allez, vas-y, pars pas trop loin quand même. Bien, ça, vraiment, super. Ok, on va faire un pâche. Ok. Bien, ça. T'es pas hyper droit, mais c'est bien. Et continue droit derrière, droit. Bien. Tous les deux, bien, bien. Et droit. Ok, parfait. À toi. Allez, allez, avance. Ok, c'est bien. Maintenant avec le bidet. Voilà le fameux bidet. À changer l'ordre. Tiens, Gavin. Oui, passe en premier. Au galop? Bah, bien sûr. Il a fait un petit pied. Avance, hein. Parce que là, il fait des petites foulées. Hein. Je veux que tu t'allonges. Après, à Jeanne. Ouf. Bien. Tous les deux. Oh, oh, oh. Refais, bien pour toi quand même. Allez, avance. Ouf, le gros saut. Chantilly, normalement, elle n'a pas trop peur. Ah, qu'est-ce qu'elle a fait? Refais. Ok, bien pour toi. Vous avez vu la différence? On va installer un deuxième petit obstacle. C'est parti. L'obstacle juste là, qu'ils vont devoir prendre de biais. C'est-à-dire que je vais mettre des plots et ils vont devoir le prendre de biais. C'est parti. Tout installé, je vais vous montrer. Voilà. Petit mais efficace. Allez, c'est parti. Et Lilou commence. Bien. Allez, c'est bien, continue. Avance, 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 avance. Bien ça. De Corinne. Ok. Avance plus avec Chantilly. Bien, allez, avance. Bien, bien. Ah oui! Elle n'aime pas les obstacles de biais, Chantilly, mais c'est bien, tu l'as bien encadré. À toi, Toledo. Allez, c'est parti. Bien, avance avec le pépère, là. Voilà. Bien, ça. Ah, t'as touché le plot, mais c'était très bien. Allez, Apache. Ok, avance. Doucement, mais avance. Ok, sans précipitation. Ouf, la longue. Bien joué, quand même. T'es bien rattrapé. Maintenant, vous avez toujours l'obstacle du bidet à franchir. Ensuite, vous venez ici, vous passez au trot
Donc tout là, hop, entre ces deux plots, je repasse au trot. Et entre ces deux-là, je repasse au galop. Et je viens sur le biais. Et je finis. Ok ? Apache, vu que t'es là, tu commences. Allez, Gabin, dépêche-toi un peu là. Voilà. Bien. Repasse au trot. Et au galop. Ok, ok. Oui, bien pour toi. Ok, Luc. Ok. Allez, 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 allez. Bien pour toi. Le trot. Et le galop. Ouf, bien joué. À chaque fois que vous prenez la langue, j'ai peur pour vous. Ok, allez, Corinne, c'est à toi. Allez, allez. Voilà, très bien avec Chantilly. Et le trot, voilà. Et le galop. Parfait, le... Voilà, voilà, le biais. Ok, nickel. À Jeanne. Ok. Allez, Gabe. Voilà. Bien. Le trot, doucement, doucement. Et le galop. Bien, faut pas qu'il se précipite dans l'allure, hein. Et redresse-toi, parfait. Là, je vous ai pas filmé, mais on a beaucoup, beaucoup travaillé. Et c'est reparti pour un peu plus haut. Donc, même parcours. C'est juste qu'on enlève la transition au trot et on la fait au pas cette fois-ci. Et oui, encore plus compliqué. Jeanne, tu commences? Ok. Allez, vas-y, au galop. Bien. Oui, elle a du mal, Elou. Et au pas. Et au galop. Voilà. Hop, l'obstacle de biais, parfait. Redresse-toi encore. À la fin du biais, tu n'es toujours pas redressé. À Gabin. Bien. Et au pas, au pas, au pas. Au galop. Hop. Oui, très bien. À Luc. Ouh là là, t'as touché, c'est bien. Et au le pas, mon pas. Voilà, galop. Pas grave, on va, tu vas refaire. Et tu reviens juste faire le biais. Ok. Bien. Et par Corinne? Allez, vas-y. Bien. Le pas. Et le galop. Ok. Parfait, ça. On va rester sur ça. Passer, par contre, pas piste à main gauche, mais piste à main droite. Par le biais et ensuite le soubassement. Ok? C'est parti. Corinne? Oui, c'est à toi. La transition toujours au pas. Oui. Le pas. Et le galop. Oui, bien. C'était très propre. Luc. Mon pas, voilà. Et le galop. Parfait. Apache une dernière fois et ensuite on le laisse sur ça, c'est bien. Parfait. Le pas. Et le galop. Parfait. Ben, ça paye l'éducation. Allez, bouge, pas besoin de te le dire. Allez, allez, allez. Oui, la longue sur la fesse, c'est compliqué. Là, je viens de la mettre à la douche. Donc, je vais la doucher. Et je vais lui mettre sa couverture que j'ai prise et qui est juste là. De l'autre côté. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Et sur ce, salut! Bisous!